Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième chapitre dédié à Resident Evil Outbreak File 2 et donc la deuxième partie du scénario Will Things. Donc allons-y. Au feeling, j'ai pas voulu regarder sur internet, je me dis que bon, déjà que c'est un mode facile, même si j'avoue que j'ai des doutes sur le fait que je vais vraiment finir le scénario, je tente ma chance comme ça. En mode totalement feeling, on verra bien ce que ça donne, et puis voilà quoi. Donc on y va. Je sais que j'ai, au niveau de l'éléphant, j'ai été tout prendre. Il y a quand même des clés qui sont absentes par rapport au mode normal. Donc ça me perturbe un peu tout ça, mais bon, on va essayer toutes les portes, on verra bien. Hein. Je pense qu'il y a un moment, je trouverai bien l'endroit où passer. Donc on fait attention à la hyène qui me suit derrière parce qu'elle va finir par me choper si ça continue. Bon ça va, elle marque des temps d'arrêt de temps en temps mais bon quand même. C'est un peu risqué. Allez, salut. Donc ce qui est bien en plus c'est que mes partenaires restent avec moi. Donc j'ai fait le choix aussi de prendre ces partenaires là en particulier. C'est pas pour rien non plus. Donc je suis content de ce côté là que ça me suit. Donc ici, des fois on peut péter ces trucs là, mais je sais pas si ça donne vraiment des trucs utiles. Je vais quand même le faire parce qu'il y aura peut-être des jetons éventuellement à récupérer, mais j'ai quand même des doutes, donc je vais vérifier quand même. Parce que ces petits chariots là, des fois il y a des trucs à prendre, genre des munitions, donc au pire c'est des munitions de flingue, les autres persos pourront les prendre. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ouais, c'est des munitions de flingue, donc bon, Yoko a pas l'air d'être intelligent pour les prendre, donc on va lui donner. Voilà, parce qu'elle est un peu handicapée, encore une fois. De rien, c'est gratuit, t'aurais dû le faire. Donc bon, le soin, là, je vais le garder pour l'instant. J'allais dire je vais pas le garder, mais non, je le garde. Donc là-bas, on en vient. Ici, c'était fermé, mais peut-être que maintenant, c'est ouvert. Non, c'est toujours fermé, parce que ici, je crois que c'est là où il faut la clé lion. Mais là, vu qu'on est en mode facile, je sais pas ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Me chope pas toutes les herbes, toi. Espèce de voleuse. Donc du coup, ouais, je sais pas trop. Mais je vais retourner là-bas, parce que vu qu'il n'y a plus l'éléphant, maintenant, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Parce que ça se trouve, il y avait peut-être des choses à prendre ici dès le départ, en mode facile, et... Vu que là, bah, je suis parti direct, vu qu'il y avait l'éléphant la dernière fois. Déjà, là, j'ai le croquis du zoo, donc ça va m'aider à savoir où je dois aller. Alors, donc, ici, il reste des trucs à prendre. Donc ça, tout ça, c'est le bureau. Là-bas, il y avait encore des trucs à prendre, mais bon. Là-bas, c'est la cassette. Là, c'est juste un chargeur pourri. Ouais, donc au niveau des clés, là, je pense pas qu'il me manque des trucs, hein. Ou peut-être là, ça se trouve elle avait une clé à elle, hein, je sais pas. Non, herbe. Ouais, bah je sais pas. Bonne question, je vais utiliser une herbe d'ailleurs, comme ça va bloquer le virus. Hop, voilà. Bon, on va aller par là, peut-être que, vu que j'ai pas été ici, même si j'ai dû faire le tour, hein, mais bon. On va vérifier, on ne sait jamais. Passage est. Ouais, normalement j'en viens donc. Je sais pas trop. Ah, c'est là où il y a la charrette à pousser avec Marc normalement. Bon, je vais péter tout ça déjà. Il y aura peut-être des indices à trouver ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu long, mais bon. C'est jamais. Ça donne des trucs sympas des fois. Bon, lui il a rien, comme par hasard. Juste pour me faire chier. Là il y a un autre chariot quand même. Allez, on va tous les péter en mode vandalisme. Mais bon, c'est pas les flics qui vont nous faire chier. Maintenant, à l'heure actuelle, sur Raccoon, il doit plus y avoir beaucoup de flics. Si on oublie Léon. Et Kevin aussi, éventuellement. Ça ressemble beaucoup aux herbivores, ouais. Ok. Donc là, c'est le truc des éléphants. J'ai quand même retourné là où il y a les plantes. Je vais essayer de faire leur énigme pourri là, même si j'avoue que j'ai rien compris à l'énigme.
Mais je vais quand même tenter de le faire parce que je pense que ça va sûrement m'aider à me débloquer, si j'y arrive. Pas perdre trop de temps parce que Oscar est un petit peu énervé. Forcément, il avait pris goût à la liberté en centre-ville de Raccoon, mais bon. Là, il devenait un peu gênant, donc j'ai pas eu trop le choix de l'enfermer. Donc on va voir ce qui se cache dans le fameux dôme tropical, parce qu'il reste encore des petits secrets là-bas. Mais il faudrait que je trouve quoi et où aller aussi. Parce que l'énigme, à chaque fois, il y a un truc qui est pas allumé, pardon, mais... Après... Alors, donc là il y a une cigogne. Donc si j'appuie, bon, ça allume la cigogne. Et alors? J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait de beau? C'est ça le truc. Donc, toi tu fais chier, plante de merde, je vais te niquer parce que ça commence vraiment à me saouler. En plus, ça recommence. Attends 2 secondes. Putain, mais elle va pas me laisser me barrer. Je vais prendre mon fusil, je vais la défoncer, quelque chose de correct. Comme ça, elle arrêtera de me casser les couilles. Parce que là, Yoko, elle passe easy, quoi. Genre, la plante, elle fait pas chier, et moi, elle marcelle, quoi. Voilà, ta gueule. Putain, sale plante de merde. Bon. J'ai déjà activé un truc. Il y en a un deuxième qui est par là-bas. On va bien trouver, hein. C'est peut-être ça qui me donne le deuxième emblème, justement. Par contre, là où il y a les lions, je sais plus par où on passe. Hein, donc, sûrement une histoire de clé, mais après, où ça, c'est une autre question. Quoi. Allez. Donc là, c'est quoi qui est pas allumé? C'est le caillou, là, ou je sais pas quoi. On sait même pas ce que c'est, la dernière image, en fait. Au milieu, c'est une cigogne, ça se voit très bien. Tout à gauche, on dirait un oiseau, mais vu légèrement le profil... Mais le dernier, c'est en forme d'oiseau, mais on dirait un caillou, le truc, limite, quoi. Donc, je sais pas trop. Évidemment, je suis toujours empoisonné. On va utiliser la petite herbe pour ralentir tout ça. Donc, maintenant, j'ai déjà appuyé. Qu'est-ce que je fais? Il doit en rester un, mais je sais pas où il est, le dernier bouton. On va essayer de le trouver. En mode désespéré. Ah non, en plus je reviens ici, donc... Ou c'est peut-être dans l'autre sens. Ou ça se trouve, ça servait à rétablir l'électricité, mais normalement je crois pas, ça a pas de lien. Hein. Ouais, là les deux sont allumés, donc... J'en sais rien du tout, en fait. Putain, mais merde, je croyais l'avoir tué, en fait elle crève pas, quoi. Foutue plante. L'autre, je sais pas ce qu'il fout, il arrête pas de gueuler comme un connard, là, mais... Je sais pas ce qu'il branle, là. Il doit se faire harceler par les espèces de guêpes, là. Donc, du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire, hein. Je vais aller là-bas, on va voir. Je vais essayer de tout fouiller, mais... Là, je crois que je vais commencer un peu à tourner en rond, quoi. Parce qu'au niveau du zoo, j'ai... Enfin, au niveau de... Pas du zoo, mais je veux dire... Enfin, c'est dans le zoo, mais je veux dire les couloirs principaux, quoi. Je pense avoir tout fait, quoi. Donc ici, de toute façon, le crocodile, il est mort, ça change pas. Même dans cette zone, il n'y a rien. Bon, il y a le lac et tout, mais on s'en fout de là-bas. À moins qu'on doit y aller. Normalement, c'est fermé, hein. Ouais, c'est fermé, il y a des... Il y a une barrière. Je sais qu'il y a une zone où il y a des lions et tout, mais je sais plus comment on fait pour y accéder. Donc tout ça fait que... Tout ça fait que je suis un peu coincé, quoi. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, forcément, ils vont se dire « Putain, mais c'est ça qu'il faut faire !» Honnêtement, j'en sais foutrement rien, là. Hop, on restabilise un peu tout ça. Faudrait vraiment que je trouve une herbe bleue, mais je crois que je vais pas en avoir jusqu'à la fin du jeu, quoi. Vu comment c'est parti. Par contre, le truc que je pourrais trouver, c'est un petit jeton. Ça serait bien. Parce que je crois qu'il m'en manque juste un. Mais va le trouver, le jeton, quoi. Ça,
ça, le mémo, j'ai déjà consulté. Tout ça, j'ai déjà fait. Toi, voilà, au moment où je tire, le connard, il me chope. Allez, reviens par là. Ta gueule. Donc, je vais retourner en haut, voir si j'ai rien oublié. Ça se trouve, j'ai oublié un truc en haut. Ça, c'est possible, parce que en haut, il me semblait qu'il y avait une autre clé. Mais vu qu'après, il y a une des différences entre le mode facile et normal, ça peut être lié, quoi, je veux dire. Donc, il y avait les pesticides que j'ai laissés. Mais il n'y a pas une autre clé. C'est quand même étrange. Ah, c'est vraiment que des pesticides, quoi. Parce que là, il y a toute cette zone-là où faut aller. Donc ça, je crois que c'est la fin du niveau, il me semble, ici. Si je dis pas de bêtises. Puis, on peut accéder par où, là ? Ouais, là, c'est fermé. Ou ça se trouve, on n'y accède pas en mode facile, peut-être ? Ça me paraîtrait un peu bizarre, quand même. Ça se trouve, c'est peut-être ça, hein. Le fait qu'on soit en mode facile, ils se disent, bon, bah, vous y allez pas, vous êtes trop mauvais, ou je sais pas, mais... Un truc dans ce genre-là, peut-être. Ouais, je sais pas. C'est possible, mais... Dans tous les cas, pour terminer le niveau, faut quand même aller au tram. Ou au moins à la sortie du zoo. Et si j'ai pas les clés, je vois pas comment je peux le faire, quoi. Bon, le petit stick, on s'en fout. Ouais, je vois pas où j'aurais oublié des trucs. D'un côté, ouais, je me dis j'aurais dû le faire en mode normal pour éviter d'être bloqué, mais en mode normal, je l'aurais pas réussi le niveau. Donc... C'est vraiment un problème. Hop. Arrête de marcher dans le vide, le pool. Et ici, ça donne où ? C'est vrai que là, j'y suis pas allé, mais... À moins que c'est peut-être ça, place principale... Je crois que j'y ai pas été à la place principale, non ? Ah ouais, j'y suis pas allé ici. Bah voilà, bah c'était par là qu'il fallait aller. Ok. Et là, il y a des lions. Voilà. Ah putain, il me chope direct en plus. Bah laisse-moi tirer, c'est pas mal. Elles sont résistantes, hein, il me semble. Voilà. Putain, tout le monde est empoisonné. En fait, j'ai perdu trop de temps dans un truc tropical de merde. Ça va me coûter très cher, ça, pour terminer le scénario correctement. Et ici, est-ce qu'on peut ouvrir maintenant? Ah non, c'est une autre porte, carrément. On va peut-être retourner en arrière, alors. Chaque chose en son temps. J'ai d'abord fouillé l'autre zone. Ouais, je crois savoir où ça mène, ça. Ah, j'y étais allé, ça, dans mon... quand je m'étais entraîné, je m'en rappelle. J'avais pas réussi à ouvrir la salle principale, parce que je pense qu'il fallait se faufiler justement dans le conduit que j'ai pas vu pendant que je jouais. Mais allez, voilà les salles de lion, ça je m'en rappelle. Donc on va pouvoir mettre le premier emblème. Donc on va demander à Yoko. Allez, donne-moi ça. Non, mais on s'en fout du lion. Oh putain. Voilà, faut que je redemande maintenant. Oh, mais bon, attends, deux secondes, j'ai compris. Ah, merde, putain, j'ai failli le prendre. Bon, viens par là, toi. Putain, c'est chiant, ça. Dès qu'on est à côté d'un truc, là, ça fout le bordel. Voilà, tac. On va faire utiliser. Voilà, ça fait déjà ça de moins. Ah mais c'est chaud là. J'avais pas vu que l'emblème bleu était déjà mis. Mais ça veut dire quoi, que j'ai déjà terminé le scénario là? Parce que normalement faut les deux emblèmes pour se barrer.
Là, j'avoue, je suis un peu paumé. Là. Par contre, il me faudrait quand même un son, parce que là, je vais être dans la galère, sinon. Je sais même pas ce qu'il faut faire d'autre. Alors, je vais quand même aller visiter, parce qu'on va pas se barrer comme ça. C'est peut-être pas la fin, hein. Je dis peut-être des conneries, mais... Ouais, il me semble que c'était ça, il fallait juste faire ce truc-là, c'était fini. Bon, je préfère visiter, au moins vous verrez ce qu'il reste à voir. Mais ouais, j'avoue, là, je sais pas trop. Bon, les munitions de pistolet, on s'en fout. Café. Bon, après, le lieu est quand même assez vaste, hein, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, c'est très grand. Il y a pas mal de décors. C'est quoi, ce truc? Une veste maculée de sang est-ce une attaque animale? Ouais. Donc par contre, je sais d'avance l'ennemi, enfin le boss final qu'on va affronter. Parce que ça, par contre, ça a une influence selon ce qu'on fait dans le jeu. Soit c'est... Alors je sais pas ce que c'est ça. La clé alligator. Il la balance que maintenant. Donc ça veut dire que le scénario n'est pas fini alors. Ah non, parce que c'est juste un raccourci de l'autre côté, la clé alligator. Ouais, c'est juste un raccourci auquel j'ai pas pu accéder, donc je comprends pas honnêtement, là il y a des trucs chelous. Je vais aller voir au niveau de la scène pour vous montrer au moins. Mais là j'avoue, je suis un peu largué, là. Le mode facile, il est il est bizarrement conçu, quoi, j'ai envie de dire. Il nous fout une clé qui sert de raccourci à la fin, quoi, j'ai envie de dire. C'est bizarre. À moins que je me trompe, encore une fois, c'est peut-être pas fini, mais pour moi il me semble que c'était fini. Hein. Donc normalement on aurait dû venir d'en haut là, si j'aurais fait en mode normal. Alors, moi je me rappelle que j'étais passé par là, je venais de là-bas. Alors je sais pas ce qu'il y a ici. Ouais, donc la fameuse cassette, du coup il y en a deux. Ah, peut-être que l'autre cassette que j'avais c'était une... pour faire la copie peut-être. Donc ça c'est un objectif secondaire, mais bon, on s'en fout un peu de faire une copie de cassette. C'est juste pour avoir des points en plus à la fin, mais c'est très très secondaire hein, sur ce coup-là. Sinon, il y a plein de trucs qui brident partout, là. Ça, par contre, on peut pas escalader, parce que David est un peu handicapé. Il y a des trucs qui brillent, là, je sais pas ce que c'est. Encore une médaille. Ça, par contre, ça vaudrait le coup d'y aller. Par contre, je suis un peu plein, mais je vais utiliser mon soin. Je pense qu'il y en aura d'autres pas loin. Là, ça doit être une vieille arme pourrie, là-bas. Putain, c'est chiant, l'angle de vue, comme ça. Un coup je joue avec les joysticks, un coup je joue avec les croix directionnelles. Parce que le joystick en fait, ça fait comme dans le premier Outbreak, ça s'adapte par rapport à l'angle de vue qu'on a, donc comme les jeux modernes. Et les croix directionnelles, c'est RE à l'ancienne quoi. N'importe quel angle de vue, si t'appuies sur la touche O, ça te fera avancer quoi qu'il se passe. Un fascicule. Gazette du zoo de Raccoon numéro 551. Bonjour tout le monde, c'est moi, Max le Lion, je suis de bonne humeur. Pourquoi? Parce que je vais avoir de nouvelles compagnes. Ouais. Laissez-moi, vous les présenter. Il y a Sylphie au superbe pelage, Angela aux yeux magnifiques et Jennifer à la moue irrésistible. Quel spécimen! J'aimerais quitter ma cage et faire la fête. Ouais. Le mieux, c'est qu'elles crècheront chez moi jusqu'à fin octobre. N'hésitez pas à venir me voir bichonner ces belles félines. Mais laissez-nous un peu d'intimité de temps en temps, d'accord? Ils étaient inspirés ce jour-là. Et ici, c'est fermé. Alors que normalement, je crois qu'on peut ouvrir. Enfin, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut ouvrir. Donc, du coup, j'ai le jeton. Les munitions, je les ai gardées. Faut surtout pas que je les perde. Primordial. Et ben je vais utiliser le jeton pour voir déjà ce que ça débloque. Ça me donne des munitions en plus pour le fusil de chasse, parce que de toute façon j'en aurai besoin pour le boss. Et puis bah après on ira au tram, puis on verra si c'est la fin ou pas, hein. Mais pour moi j'ai l'impression que c'est le cas quoi. J'ai même plus d'où je viens en fait. Ah oui c'est vrai, je venais d'un trou, mais je sais même plus où il est ce trou, donc bonne question. Ah c'était par là ouais je crois. Ouais. Hop. Allez, on y va. Même les lions, normalement, il y en a plus que ça. Là, il y en a qu'une, mais il y en a plus que ça, normalement. Donc, je vais vite me dépêcher d'utiliser le jeton en évitant de trop me faire attaquer. Parce que là, niveau soin, après, ça va vraiment être juste.
Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de faire le tour, parce que du coup, là, j'ai pas pris la clé alligator, mais bon, ça fait chier de tout faire le... Enfin, de poser des objets, aller les ramasser après. Après, je sais pas ce qu'ils vont devenir, c'est chiant, quoi. Mais au moins, je saurais qu'en mode normal, bah, si j'étais resté bloqué à un passage, bah, c'était à cause de ça. Même si, en mode normal, j'avançais quand même, hein. J'étais pas resté bloqué à tourner en rond à trouver une solution. Parce que j'avais réussi à récupérer la clé Lyon, je crois. J'avais ouvert la porte de la clé Lyon, puis bon, après, je sais plus si j'étais mort direct ou pas. Je pourrais pas vous dire, là, comme ça, mais en gros, j'avançais quand même, quoi. Mais il me semblait bien qu'il y avait un passage pour accéder au Lyon, là, et... Et puis, bah, je savais plus où c'était, et là, bah, j'ai retrouvé, quoi. Donc, je vais me dépêcher d'utiliser le jeton. J'espère que ça va me donner des munitions de fusil de chasse. Si c'est autre chose, pourquoi pas, mais j'espère que ça sera utile, quoi. C'est tout ce que je demande. La plante, je vais essayer de l'esquiver. Évidemment, ça marche pas. J'aurais dû passer par en bas, en fait. Je sais même pas pourquoi je passe par en haut. C'est par habitude de me dire faut que je passe par en haut pour bouger la caisse, peut-être, je sais pas. Parce qu'on peut y aller direct par en bas, donc je me casse le cul pour rien. À part perdre du temps. Donc on est à combien, là? 21 minutes. Bon, remarque, c'est mieux qu'il y ait le jeton, comme ça, ça fait gagner un peu de temps. Parce que sinon, une vidéo de 20 minutes aurait été un peu juste. Même si ça reste correct, entre guillemets, bon, ça aurait été un peu juste, quand même. Donc la scène des éléphants, et après on va être dans le truc est, il me semble, ou pas, je sais plus, bon, on verra bien. Donc voilà, donc là c'est à droite. Bon, finalement ça va, hein, pour l'instant. Encore une fois, bon, c'est parce que je suis en mode facile, mais bon, j'appréhende moins que le départ. Parce que c'est vrai que honnêtement, ça je vous l'avais déjà dit aussi avec le premier Outbreak, mais les deux Resident Evil Outbreak, même si les autres jeux, je peux mourir, genre je sais que le Resident Evil 3 Nemesis, je vais sûrement mourir plein de fois contre le Nemesis. Mais vu que je sais au moment où il apparaît et que je vais forcément sauvegarder avant par logique pour éviter de tout me retaper, j'ai envie de dire c'est pas un problème. Ça va être chiant parce que je dois me retaper le truc et je vais mourir plusieurs fois. Mais à part ça, ça va. Sauf que dans Outbreak, c'est pas pareil, quoi. On peut mourir à n'importe quel moment dans le jeu. C'est pas prévisible, quoi. Il suffit qu'on ait une couille et qu'on se fasse enchaîner et qu'on soit en danger et que les autres ils font n'importe quoi et puis ça y est, quoi. C'est un vrai massacre, on peut pas vraiment savoir à l'avance. Oh putain, merde, faut deux jetons, j'en ai qu'un. Comme par hasard. Bon bah, j'ai dans le cul. Bah écoutez, bah tant pis, hein. On va y aller comme ça, l'autre jeton, je sais pas où il est, donc... merde, si je passe la porte... Ouais, je sais pas trop, hein. You got it. Et là, ça me plaît pas trop parce que je vois pas ma copine Yoko, donc j'espère qu'elle est pas morte. Parce que vu qu'ils sont tous les deux empoisonnés, c'est possible. Donc j'espère pas, mais bon. Je vais bien voir. De toute façon, là, au pire, je sauvegarde pas parce que... Vu le merdier qu'il y a eu, là, parce que vu que j'ai confondu avec le mode normal, au moins, si je sauvegarde pas, c'est pas grave, je prendrai la sauvegarde de la fin de vidéo dernière. Je vais tout me retaper proprement, et comme ça, je gérerai mieux mes personnages, et je perdrai pas mon temps au truc tropical qui sert à rien, finalement. Donc ouais, la Yoko, je crois qu'elle est morte, hein. Je crois que on peut faire une croix dessus. Regardez sur la carte, mais à mon avis, elle doit être morte. C'était où déjà? Donc là, c'est là où il y a l'éléphant. Ouais, c'est ça, hein. Quand ça fait ce signe-là, je crois que ça veut dire qu'il y a un mort là-bas. Donc elle a dû mourir à force de se faire niquer par les abeilles ou je sais pas quoi.
C'est pas la grande classe, ça, pauvre Yoko. Et en plus, en parlant de ça, je crois qu'elle a des objets sur elle qui pourraient m'intéresser, donc c'est ça le pire. Je vais devoir la piller, quoi. C'est vrai que dans ce jeu-là, niveau dignité, c'est un peu à refaire. Hein. Piller les cadavres, c'est pas quand même, ça fait pas trop. Je vais peut-être prendre le spray, là, du coup, parce qu'il va servir à rien, après. J'espère qu'il va pas péter la porte au passage. Sinon, ce serait problématique. Comme ça, je vais l'utiliser juste avant le combat. J'utiliserai. Ouais, il y avait un peu de soin aussi à côté des deux lions. Donc, ouais, ça devrait aller, je pense. Franchement, ouais, le boss de fin, j'espère qu'il va pas être trop dur. Parce que normalement, en mode normal, je crois, avec le fusil de chasse, on n'est pas obligé de mettre toutes les balles qu'on a récupérées. Mais là, étant donné que j'en ai que 4, c'est just. Et puis, quand je dis on n'est pas obligé de mettre toutes les balles qu'on récupère, c'est quand nos collègues sont encore vivants. Or, là, il en manque, quoi. Donc, elle est là. Du coup, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Voilà, pas grand-chose d'utile, en fait. Donc, ça, quand même, indispensable. Et je vais prendre les munitions de pompe. Comme ça, au moins, si j'ai pas assez de balles de fusil de chasse, j'aurai le fusil à pompe. C'est pas aussi puissant, mais c'est mieux que rien, quoi. Parce qu'après là niveau soin ça va être chaud. Puis je peux pas en stocker dans l'inventaire, mais peut-être que sur l'aire de combat il y en aura. En général ils sont pas trop salauds, ils nous mettent au moins 2-3 herbes. Donc j'espère que ça sera le cas. De toute façon là j'y vais totalement au feeling. On verra bien ce que ça donne, mais bon. J'avoue que là c'est quand même chaud, quoi. Bon, sinon on peut parler du jeu, hein. Graphiquement c'est toujours aussi joli, hein. Surtout là le niveau du zoo, la verdure est quand même bien, bien consistante, quoi. C'est pas hop, 2-3 herbes de temps en temps pour faire genre c'est vert, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Et puis même les reflets dans l'eau, là où on allait, où il y avait l'alligator, on voit bien le reflet de l'eau, et puis l'effet de l'eau où il n'y a pas de mouvement, si vous voulez, un peu de vase dedans. Enfin, je trouve que c'est bien fait. Franchement, c'est vraiment très joli pour de la PS2, n'oublions pas. Hein. Même s'il y a quand même le lissage des pixels, parce que je suis sur émulateur, tout le reste, ça reste de la PS2, quoi. Hein, j'invente rien, donc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va y aller comme ça. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il fout, là. Ça te ferait chier de ramasser des herbes alors que t'es en danger, toi. Enfin, en danger, presque. Je sais pas pourquoi il les ramasse pas, ce con. Je vais lui donner, parce que... Lui, il est en mode survivor, je maîtrise tout, j'ai pas besoin de soin, quoi. Alors qu'il est déjà en jaune, quoi. Bon, il vient, quoi. Help! Get a move on. Qu'est-ce qu'il fout? Move it. Damn, help me. Bon, tant pis, moi j'utilise pour moi, va chier, écoute. Je vais pas t'attendre pendant 10 ans, bonhomme, si t'as pas envie de venir, c'est ton problème. S'il a envie de se mettre en mode George, c'est son problème, hein, parce que bon, George était en mode connard aussi comme ça. Pour ceux qui ont suivi le premier Outbreak, vous le savez très bien. Donc c'est ton problème. Par contre, là, j'ai vu un truc qui brille sur le rebord du mur. Ça m'interpelle, donc je vais voir ce que c'est. Je crois que c'est là. Oh putain, mais ils sont sérieux, la médaille qui est là, quoi. Viens là, trou de balle. Je vais retourner, je suis désolé, on fait durer le plaisir, mais je veux vraiment voir ce qu'il y a derrière l'autre tableau. Parce que normalement, dans le premier tableau, je sais que c'est une herbe. C'est bon, je l'ai donné, ouais. Une herbe, je dis de la merde. Dans le premier tableau, normalement, c'est une clé qu'on a. Donc là, il y a la clé alligator, je vais l'utiliser pour être plus rapide déjà. Ça m'évitera de me taper tout l'aller-retour. Je vais laisser les munitions là en espérant qu'elles se relativisent pas, je sais pas où. Et voilà, donc on va y aller comme ça vite fait parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a avec le jeton, quoi. Et donc, oui, comme je disais, normalement en mode normal, le premier tableau, je sais que c'est la clé lion. Ou si c'est pas la clé lion, c'est une autre clé, mais c'est une clé. C'est sûr et c'est clair à 100%. Et
Putain, mais allez vous faire foutre. Tout en train de respawn ici en plus. Alors, hop, on utilise la clé. S'il me laisse le faire, vas-y, enchaîne-moi, je te dirai rien. Vous comprenez pourquoi je déteste ce jeu. Non, je déconne, mais vous voyez, ce genre de passage là, on se fait enchaîner quoi. On peut même pas utiliser une clé. C'est ça qui m'énerve dans ce genre de passage quoi. Là, ça me permet de gagner un temps précieux déjà d'avoir ce petit raccourci. Bon, je suis quoi là? Je suis en mode hémorragie, putain. Comme si c'était pas assez le merdier comme ça, quoi. Sans déconner, franchement. Oh, puis il y a l'autre lienne en plus. Va chier, toi. Toi, tu me touches pas parce que je suis déjà en galère de vie. Donc, tu vas me foutre la paix. Voilà. Allez, t'y es presque. En plus, ça dure 10 ans le mode hémorragie, quoi. C'est ça qui est chiant. Bon, il reste la plante verte ici, c'est parfait. On va s'en servir. Hop, voilà. Donc, ouais, pour le premier tableau, donc j'ai dit que c'était une clé. Et le deuxième tableau, dans mes souvenirs, je crois que c'est des munitions pour le fusil de chasse. Mais vu que là, on est en mode facile et que c'était totalement le bordel au niveau des tableaux et même du reste, je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir. Mais j'aimerais bien que ça soit des munitions de fusil de chasse, ça m'arrangerait. Parce que comme ça, ça va m'aider pour le combat, quoi. Puis au moins, je pourrais les combiner sur le même slot que l'autre truc, et peut-être prendre du soin, mais je sais plus là où il reste des sprays, en fait. C'est ça le problème. Mais bon, on va voir ce qu'on fait déjà avec ça, si j'y arrive. Parce qu'un coup, je joue avec les joysticks, encore une fois, et un autre coup, je joue avec les flèches directionnelles, du coup... C'est un peu le merdier. Voilà. Pourquoi il dit voilà toi? Qu'est-ce que tu veux me donner? Ah bah voilà, t'es intelligent toi de me donner mes munitions de fusée à pompe. Je sais pas pourquoi d'un coup, hop, faut que je te les donne. C'est quand même suspect. Hein. Le mec, je crois qu'il va aller récupérer un truc de merde qui sert à rien dans l'inventaire, je pense. Putain la vache, j'avais pas vu ça en donne 6. Ah c'est pas mal ça. Bah là normalement j'ai largement assez pour le boss. Donc fusée à pompe, je vais pouvoir m'en débarrasser. Enfin je vais le recharger mais les munitions je les déposerai. Mais maintenant faut que je trouve du soin. Ça c'est un autre problème parce que le soin j'en ai pas... Je vois pas où il y en a là franchement. Je vais regarder sur la map tiens parce que autant qu'elle serve à quelque chose cette map. Que là ça va être compliqué, surtout l'ennemi qu'on va se taper là c'est pas n'importe lequel. Là il y a un soin mais est-ce qu'il peut soigner complètement? Aux autres endroits il y en a pas en plus. Ah si, il y en a un là aussi. C'est une herbe rouge qui est pas loin, donc l'herbe rouge je peux aller la choper et la combiner avec l'herbe verte. Mais ouais, il y a pas mal d'ennemis là-bas, mais bon j'ai des munitions de fusée à pompe pour l'instant donc je peux m'en servir, c'est pas un souci. Mais ouais. On va voir comment on se démerde. Déjà, c'est où déjà l'herbe? La plus proche. C'est celle qui est là-bas, on va dire. Enfin, remarque, oui et non. Bon, allez, on va passer par là, on verra bien. Hop. Comme ça, ça permettra de soigner notre collègue. Marc, qui est pas très doué lui non plus, même si d'un coup là il veut me redonner mes munitions de fusil à pompe comme si j'étais en détresse, quoi, j'ai pas trop compris. Ensuite, ouais, faut redescendre encore. C'est par là, hein. Enfin, je crois. Enfin, on va bien voir. Il me semble que c'est ça. Donc, je suis désolé de faire durer un peu le truc, mais bon. Ça vous permet aussi de voir déjà ce qu'il y a débloqué. Et puis aussi ce que j'aurais dû faire normalement en mode normal, quoi. Enfin, moi en tout cas, ça me paraissait indispensable en mode normal de faire tout ça. Ah oui, mais merde, j'ai oublié ce détail, moi. J'ai plus de place. Bah, je vais te donner ça, toi. Voilà. Mais le mec il se met à gueuler, on sait pas pourquoi. Faut se calmer, bonhomme, on va s'en sortir, t'inquiète. Enfin, toi j'ai un doute, mais au moins moi je vais m'en sortir, t'inquiète pas pour moi. Le mec ultra égoïste, quoi.
Mais ouais, lui, j'avoue, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il va s'en sortir parce que il a pas beaucoup de soins. Ses armes, j'ai même pas regardé ce qu'il avait. Il a des munitions de tout et de n'importe quoi. Mais après, est-ce qu'il a vraiment une arme? C'est une autre question. Mais bon, c'est pas mon problème. Même si Marc n'est pas un personnage méchant, je peux rien pour toi, bonhomme. C'est déjà galère pour moi. Chacun sa vie, on va dire. De toute façon, dans ce genre de cas, hein, on dit qu'il faut mieux collaborer pour mieux réussir, mais en général, ça se passe pas comme ça, les gens n'ont rien à foutre, quoi. Donc moi, je m'occupe de mes affaires. Donc, je vais dézinguer la hyène et l'oiseau qui va me faire chier. Et je récupère la petite herbe rouge. Donc, par contre, j'espère qu'il va revenir, parce qu'il a quand même mes munitions... Et ça m'arrange pas. Allez, viens par là, l'oiseau. Voilà. Parfait. Bon, l'autre, je sais pas où il est. J'espère qu'il va me suivre. Putain, s'il est mort, ce con, ça va pas le faire. Donc, si c'est écrit en vert, normalement, ça veut dire que les coéquipiers sont pas loin, je crois. Ils doivent être à une salle de distance, en général. Il me semble que c'est ça, parce que 600 en jaune, par contre, ça veut dire qu'il est très loin. Enfin, en tout cas, dans le 1, il me semble que c'était comme ça que ça marchait. Ouais, il est là. Par contre, ouais, là, il doit être à la limite du danger. Donc, c'est un peu... c'est pas top pour lui. Bon, il a quand même un fusil à pompe, hein. Avec des cartouches, donc il va pouvoir m'aider. Enfin, s'il s'en sert aussi, c'est autre chose, mais... Mais bon, il a un fusil à pompe, quoi. Donc on va y aller, on va voir. Ça se trouve, c'est même pas la fin du niveau, et là, je vais me faire gangbang par tous les monstres, et je vais crever avant. Là, j'aurai trop la haine, mais... Mais j'espère, en tout cas. J'avoue que là, je suis en mode j'espère, quoi. Donc ça, tu vas l'utiliser, par contre, parce que déjà que t'as plus de vie, donc si tu t'en sers pas, t'es un peu con, quand même. Mais il est loin à venir. Ouais, bah là c'est sûr, il est en danger, quoi. Où est-ce que je lui donne le soin? Mais moi c'est pareil, je suis pas loin du danger là, donc. On y va comme ça, mais honnêtement, j'avoue, là c'est inquiétant. Je le sens pas trop. Mais il y aura peut-être du soin sur le bord là. Ça serait l'idéal. Ah, il y a des trucs qui brillent là. Ouais, il y a des herbes vertes. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Ah, le v'là. Bah, c'est bon, on va pouvoir le soigner. Bon, il vient ou quoi? Il parlait et... Je le vois pas, là. Ou il est mort avant? Ça se trouve, il est mort, il est tombé comme une grosse merde juste avant de passer le portail. Oh, et puis bon, tant pis, hein. Je vais me démerder sans lui, en espérant que ça passe. Donc voilà, donc c'est un petit lion, hein, pas très commode apparemment. Donc on va éviter de sympathiser avec lui. Donc je vais switcher, hop, et allons-y. Putain, il m'enchaîne direct, quoi. Ah, je pense que Marc, il est mort. Putain, mange-toi ça. Par contre, là, faut que je recharge. Putain, il recharge pas automatiquement, ce con, en plus. Allez, dépêche-toi. Bon, il joue à... Eux, s'amuse à grimper, je sais pas ce qu'il a, mais pourquoi pas. Je sais pas si je peux l'avoir. Putain, ça fait la... comme si ça tirait dedans, mais ça le touche pas, donc... Vas-y, dépêche-toi de recharger, parce qu'il arrive. Ah, salaud, je sais pas si ça l'a touché. Mange-toi ça. Allez, casse-toi. Comme ça, je recharge. Bon, ça va, il est pas trop speed, mais... Putain, ça me saoule pour Marc, là. Ça se trouve, j'aurais pu le sauver, quoi. À deux doigts, il avait des soins et c'était facile, quoi.
Ça, c'est un peu dommage, quoi. Bon, je vais aller choper un spray quand même, je suis pas fou. Voilà. Bon, j'espère que niveau munitions, ça va être bon, que je me fasse paniquer. Bon, j'ai l'impression que je vis jamais dedans, en fait, mais bon. Là, ça va pas tarder, là, je pense. Ah, c'est bon, nickel. Bon bah c'est bon. Alors je sais plus si ça met direct la fin ou s'il faut encore faire des trucs. Bon faut peut-être aller au bout du bidule mais... Je vais retourner en arrière voir si c'est possible. Et je vais voir si Marc est mort mais je pense que oui hein, parce que là... S'il n'est pas venu avant il va pas venir maintenant. Ah il est là. Putain je suis deg quoi mais il meurt vraiment devant la porte quoi. C'est vraiment pas de chance quoi, putain. À deux doigts, j'aurais dû y donner le soin, j'ai hésité, hein, mais je sais ce qu'il y en aura sur la zone de combat. Normalement, c'est vrai qu'il y en a toujours, mais bon. Franchement, là, je suis deck quand même, j'aurais pu le sauver. Je suis vraiment fail quoi. Alors, je sais même plus si c'est par là qu'il faut aller ou dans l'autre sens. Ouais, je crois que c'est de l'autre côté en fait. Enfin, je sais même pas en fait. Faut aller quelque part, mais je sais plus où. Que là c'est le tram mais à moins qu'il faut rentrer dedans mais non c'est peut-être par là non bah c'est peut-être faut aller dans le tram je sais pas je vais essayer on va voir ouais c'est ça. I felt good like a man who's put in a hard day at work and is ready for a nice cold beer. Or maybe a lay. But I'd let my guard down. It's not like me. I couldn't go on like that forever. Ah! I couldn't shake the feeling that things were gonna end badly. Et voilà, c'est fini. Bon, comme on peut le voir, comme d'hab, c'est toujours le bordel à Raccoon City. Avec une petite émission télévisée où j'ai même pas eu le temps de finir de lire le premier sous-titre parce qu'il était quand même assez long. Et il le passe super vite, quoi. Enfin, comme d'hab, au niveau des traductions, ce jeu est génial, quoi. Ça a pas changé. Donc, le rang E, bah, je crois que ça doit être le rang le plus pourri qu'on puisse faire dans ce jeu, j'imagine. Parce que bon, il y a qu'un survivant. Les autres sont morts, j'ai pris du temps, je suis en facile, j'ai pas trouvé d'objets spéciaux, j'ai pas fait de trucs secondaires, donc j'ai vraiment fait le truc le plus pourri possible. Quoi. Mais bon, je suis quand même content, honnêtement, même si ça peut paraître con, mais vous imaginez même pas la pression que j'ai eue en me disant « Putain, c'est vrai, faudrait que je fasse Resident Evil Outbreak File 2 » et je savais que ça allait plus la galère encore. Et finalement, ça va. En fait, à chaque fois, on appréhende, mais quand on a terminé, on se dit... Moi, je dis pas que c'était simple, parce que c'est pas vrai. Là, j'étais en facile, j'ai quand même galéré. Mais je veux dire, on se fait un peu trop une montagne à chaque fois, et c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, faut s'y mettre, faut persévérer. Enfin, c'est comme dans tous les trucs, hein, mais... Mais je sais pas, ce jeu-là, à chaque fois, je le sens pas. C'est pour ça, c'est vraiment les Outbreak, c'est les deux jeux que je redoute le plus à faire sur ma chaîne. Bon, le premier est fait, donc maintenant, il n'y a plus à en parler.
Mais le deuxième, j'ai encore redouté pendant tous les autres scénarios, quoi. Et quand j'aurai terminé, bah après, je serai apaisé, entre guillemets. Et les autres RE, comme je vous dis, même si RE Nemesis, je pense que ça va me saouler au niveau des morts, mais ça me dérangera pas d'y jouer, dans le sens où même si je vais crever à la chaîne, parce que je le sais déjà, parce que moi-même je crevais à la chaîne avant, donc ça risque pas de changer en vidéo, quoi, je veux dire, mais ça me dérangera pas d'y jouer. Que là, rien que le fait d'avoir le seum et de recommencer parce que j'ai pas réussi un scénario, ça me met trop la haine, que c'est... Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est un peu compliqué à dire, mais en gros, voilà. J'aime bien le jeu, mais quand il est rangé dans son armoire, en gros. On pourrait dire ça, à limite, quoi. J'aime bien le voir au niveau des scénarios, parce que je trouve ça hyper intéressant, ça rajoute plein de background à Raccoon City et tout. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de ce côté-là, parce que je suis un fan, donc c'est très intéressant, mais à y jouer, quoi, ne serait-ce que l'inventaire en temps réel, mais... Ils auraient dû le changer dans le deuxième. Après, je sais qu'après, pour les contraintes du multijoueur, le fait d'être en option, c'est compliqué à gérer quand on est en mode multijoueur. Mais ils auraient dû bien séparer le multi et le solo, et se dire en solo, voilà, on met le jeu en pause, quoi. Et personnellement, ça m'aurait... Franchement, je pense que je gérerais beaucoup plus si le jeu était en pause. Je sais pas ce que vous en pensez, on va rester sur cette question... Suspense, je sais pas ce que vous en pensez de cette question-là, vous me répondrez dans les commentaires. Mais je pense sincèrement que le jeu serait plus simple si on pouvait mettre pause. Dans les phases d'action, on est vraiment dans la merde, où il faut soigner et recharger en même temps. Ça serait beaucoup plus simple, je pense. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, pour utiliser une clé contre une porte, bah je me fais enchaîner par l'oiseau, par la hyène, juste pour ouvrir une porte, quoi. Alors que habituellement, dans les autres RE, on fonce, hop, on appuie sur Start ou l'autre menu pour accéder à l'inventaire. Clé utilisée, hop, ça déverrouille, on spamme la touche 3, on se fait même pas toucher même s'il y a les ennemis à côté, et on passe la zone. Bon, c'est sûr, c'est plus réaliste comme ça, hein. Ça c'est, y a pas de souci de ce côté-là, on pourra jamais dire le contraire, mais ça fait mal au cul, quoi, quand on crève, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc j'arrête de parler, parce que ça fait quand même déjà 47 minutes, donc c'est quand même assez long. Donc bah j'espère que ça vous a plu, malgré tout, quand même. Très bon scénario en termes d'originalité, en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve la prochaine fois donc pour les profondeurs du métro, qui vous rappelleront quelques trucs pour ceux qui ont joué à Umbrella Chronicle. Donc voilà. Allez, à plus.